capitale qui réunit le plus grand nombre d'instituts culturels étrangers. Du 25 septembre au 4 octobre, 34 centres culturels nous ont donné rendez-vous pour la Semaine des cultures étrangères. Une semaine d'événements pour faire le tour du monde au cœur de Paris. La programmation est placée sous le signe de la découverte, conférences, expositions, performances. En 2015, nos environnements étaient à l'honneur et s'exposaient au dehors comme au dedans, à travers des images du monde, des objets d'ailleurs. Et parce que les cultures sont vivantes, l'ambiance est avant tout participative. Dans un esprit ludique, créatif ou convivial, une semaine riche en animation, à laquelle vous pourrez faire participer les plus jeunes. Qui dit cultures étrangères, dit aussi langues étrangères. Le programme phare de la semaine, c'est le Speak Dating. Et parce que la culture est aussi culinaire, vos papilles ne seront pas en reste. On récapitule. La semaine des cultures étrangères à Paris, c'est la dernière semaine de septembre, gratuite et pour tous, dans tous les instituts culturels étrangers de Paris. Renseignez-vous sur ficep.info. Le canal Saint-Martin transformé en périple littéraire le temps de cette troisième édition de la Nuit de la Littérature. De 17 à 23 heures, ils sont une dizaine d'auteurs en provenance de 18 pays et accompagnés de comédiens à avoir partagé leurs écrits dans des lieux tous plus originaux les uns que les autres. L'un d'entre eux ayant d'ailleurs été sublimé par les créations de la plasticienne Barbara Portaillet. C'est particulièrement adapté à la Nuit de la Littérature, ça me semble complètement approprié puisque les gens vont vagabonder des images de pensée que provoque, suscite ce paysage que j'ai créé à celles qui sont amenées par les écrivains. Et donc ça me semble une émulation très adaptée. En tout cas, c'est vraiment dans l'idée justement de ce principe d'art circulaire. Ça va circuler, les pensées, j'espère, vont foisonner. La proposition d'organiser la Nuit de la Littérature dans le 10e arrondissement, elle s'est faite de la part des organisateurs du FICEP auprès de mon adjoint à la culture. Mais ce genre de proposition, en plus menée de manière
aussi professionnels, avec beaucoup de qualité. On les accueille toujours très volontiers. C'est vraiment un marathon, c'est vraiment une performance en fait, puisqu'il faut... C'est 2 heures de lecture ininterrompue, puis presque 2 heures aussi dans la foulée de rencontres avec le public. Je trouve que le concept est original, sympathique aussi par rapport à l'échange qu'on a avec le public, avec le lecteur ou spectateur, qui n'est pas toujours... qui n'est pas toujours possible après un spectacle ou après une lecture. Et donc là, réellement, c'est intégré dans le concept et je trouve ça très, très sympathique. J'ai trouvé l'idée formidable de permettre à des lecteurs ou même pas de lecteurs, mais de permettre à des gens de désambuler à Paris et de découvrir des auteurs et des textes, des différentes voix, des différentes cultures. J'ai trouvé ça... j'ai trouvé que c'est un très beau projet. Charming, but his wishes are fulfilled.